Salut les joueurs, salut les joueurs. C'est en passant devant la ludothèque que, en regardant, en posant mes yeux dessus, j'ai eu une envie soudaine de rejouer, comme d'habitude quand je pose les yeux dessus, c'est immanquable de jouer à Dawnforce. Dawnforce, c'est entre guillemets un vieux jeu de Wolfgang Kramer. Déjà de base, ça te classe quand même l'auteur, parce que Wolfgang Kramer a fait des super jeux. Quand on regarde cette boîte, on se dit, ça va être un jeu de course de Formule 1. Eh ben, oui, mais pas que. Et c'est dans ce pas que c'est tout très étonnant. Cette phrase ne veut rien dire, mais je vais la garder. Donc il se passe une course, mais la course n'est pas le moment où on joue en tant que pilote. On voit se dérouler par le truchement de nos poses de cartes une vraie course qu'on ne maîtrise pas complètement parce qu'on ne sait pas quelles sont les cartes des autres, on ne sait pas dans quel ordre ceux-ci vont être joués, on ne sait pas qui va doubler quand à quel moment. On regarde une course de Formule 1 et à différents moments, trois pour être précis dans la course, il y aura des paris. Et à ce moment-là, sur notre petite feuille, secrètement, on note le pari pour la voiture qui va arriver dans le trio de tête. Ça peut ne pas être la nôtre, mais on peut parier judicieusement en disant « lui, il se débrouille bien ». Lui, j'ai l'impression qu'il fait bien avancer la voiture qu'il a, etc., etc. Et à la fin, on fait nos petits totos en disant « mes paris ont rapporté comme un turfeur » en disant « yes, j'ai parié sur le bon pilote, j'ai parié sur le bon joueur et c'est ça qui me fait gagner. » Et puis comme j'ai pas dépensé trop, finalement mon écurie, j'ai mis 2 millions dedans, elle m'en rapporte 4, je gagne quand même un plus 2. Ce n'est pas tant un jeu de course, c'est un jeu très simple où il va falloir parier au bon moment. Pour savoir si ce simili-jeu de course, mais jeu de pari, allez vas-y, double-le par la droite, fonctionne pour vous. Il y a en dessous de cette vidéo des liens. Des liens vers la fiche sur TrickTrack où vous pouvez regarder les vidéos dans lesquelles on joue à Dawnforce. À chaque fois que je le sors, ça fonctionne parce que dans cette réédition, en français par Yellow, mais Restoration Game, le matériel participe au plaisir. Petite voiture en plastique, colorée, mignon. La deuxième extension, avec à chaque fois deux circuits double face, devrait arriver. Avec à chaque fois des petits tricks en plus. Les zones de gravats où on peut pas dépasser. Le tremplin pour aller un petit peu plus vite parce que du coup, ça devient un peu cascadeur. Et c'est toujours fin, léger. Il n'y a pas besoin de plus. J'assiste à une course, je parie. Et à la fin, je gagne. Ça, c'est Dawnforce.